Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur un test d'un mini PC qui m'a franchement impressionné au vu du rapport taille-puissance. On est sur le CR5 de chez Beelink, le 5560U qui est tout simplement le nom du processeur AMD Ryzen 5 qu'il y a à l'intérieur. Et c'est notamment grâce à cet élément que j'ai pu faire des tests très concluants et vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Ce mini PC à la Wi-Fi 6E, 16Go de RAM et 500Go de stockage en SSD avec une licence Windows déjà offerte. Enfin bref, comprenez qu'aujourd'hui on est sur une bête de guerre en rapport qualité-taille-puissance. C'est un nouveau format de vidéo, j'espère que vous aimerez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'attends vraiment vos retours. J'ai donc ouvert ce produit et comme vous avez vu, tout est bien rangé et je pense que c'est le maître mot de leur marque, l'optimisation de l'espace. Et il le faut parce qu'avec une machine comme ça, vaut mieux bien optimiser tout pour avoir un PC aussi petit que celui-ci. Packaging très propre, bien rangé et optimisé, câblage HDMI offert, ça donne un avant-goût très positif. Ma première impression quand je l'ai eu, c'est que vraiment je me suis dit, il est où le mini PC? On peut pas faire tenir un mini PC dans une boîte comme ça. Et finalement si, parce qu'il mesure 12 cm sur 11 cm sur 4 cm de hauteur, ce qui est vraiment rien du tout, et il pèse une centaine de grammes, donc moins d'un kilo. C'est vraiment tout petit. Très pratique si vous vous déplacez souvent ou que vous voulez avoir votre setup à disposition et que vous déplacez souvent sans pour autant devoir prendre une tour ou vous contraindre à prendre un laptop. Enfin bref, une fois dans mes mains, j'ai vu qu'il y avait de l'USB 3.0 à l'avant, une prise jack et également une prise USB type C. À l'arrière, on retrouve une prise Ethernet, deux ports USB 2.0 et deux ports HDMI qui pourront supporter de la 4K à 60 Hz. Alors, c'est pas de la 144 Hz évidemment parce que là, on demanderait des choses beaucoup trop gourmandes, mais 4K à 60 Hz, c'est très bien, et surtout pour une petite machine comme celle-ci. Et également, on le voit pas sur la machine, mais sachez qu'il y a du coup la Wi-Fi 6E qui sera 3 fois plus rapide qu'avec une Wi-Fi 5 normale, on va dire, une meilleure stabilité de la connexion internet et énormément moins de contraintes qu'avec une Wi-Fi classique. Également le Bluetooth 5.2 qui permettront effectivement de connecter par exemple des écouteurs sans fil pour utiliser le PC sans se contraindre avec des fils. Et ouais, je sais ce que je dis, ça fait 2 ans que je les utilise et je les ai complètement fracassés avec le temps. On retrouvera donc un boîtier en plastique avec des grilles de ventilation en métal et il y a tout un mécanisme pour dissiper la chaleur dans la machine pour effectivement garder de bonnes performances. Des grilles sur tous les côtés et 3 sorties à l'arrière. Autant vous dire que pour optimiser un petit objet comme celui-ci, il va falloir avoir une bonne ventilation. Et la ventilation, vous le verrez, ça engendrera un tout petit peu de bruit, mais pas plus flagrant que ça. On aura donc Windows 11 déjà préinstallé, Windows 11 Pro, donc on se fout pas de vous, avec une licence officielle, il n'y a pas de activer Windows. Installation simple, rapide, grâce à Windows 11 Pro, et j'ai pas relevé d'applications supplémentaires qui pourraient prendre trop de place par rapport à ce qu'on veut. Généralement, quand on achète des PC, il y a déjà peut-être des applications de préinstallées alors qu'on s'en fiche totalement. Donc faites attention quand vous installez votre Windows et que vous configurez votre mini PC de pas tout simplement cocher tout et n'importe quoi. Parce que je vous rappelle qu'on a un SSD de 500Go. C'est pas non plus 5 Tera, on est sur du 500Go, donc il faut optimiser l'espace. Mais on pourra quand même brancher un disque dur externe pour avoir encore plus de place. Ce SSD va notamment nous permettre d'avoir un démarrage en 11 secondes et un accès à l'interface Windows en 16 secondes. Évidemment, j'avais le mot de passe à entrer, mais je pense qu'en enlevant le mot de passe, on gagnait quand même pas mal de temps. Parce que oui, j'ai fait un petit peu le bras cassé quand j'ai noté le mot de passe. Enfin bref, ces 500Go en SSD auront une vitesse de lecture annoncée par le constructeur de 2350 Mbps et donc plus besoin d'attendre que votre PC démarre, et je trouve que c'est un gros point positif pour ce mini PC. Je suis donc allé voir dans le mini PC les specs générales du PC pour pas avoir de mauvaises surprises. On a donc Windows 11 Pro d'installer avec une licence valide et pas besoin d'activer Windows en bas à droite. On retrouvera donc 16Go de RAM, 2x8Go en DDR4, donc c'est le minimum syndical je pense, 500Go de SSD, du coup une carte graphique Radeon Graphic Seeker et surtout un processeur, un Ryzen 5 5560U. C'est le composant selon moi principal de ce mini PC qui vous permettra de faire pas mal de tâches comme vous allez voir juste après. Enfin bref, ensuite je suis allé tester le mini PC pour une vidéo 4K sur YouTube. Avant ça, je me suis un petit peu baladé, j'ai regardé un petit peu les descriptions, j'ai ouvert des choses, etc. J'ai pas vu de bug concernant l'utilisation de ce mini PC sur Google ou YouTube. Et vous avez vu que la vidéo charge plutôt bien. Il n'y a pas de bug, on lance tout correctement, il n'y a pas de chargement superflu. Le seul chargement qu'il aurait pu avoir, c'est de ma connexion, mais ce n'est pas le cas.
on a tout qui se lance bien, de la 4K, et ça, ça fait plaisir. Et durant la lecture de cette vidéo 4K, on va avoir du coup un processeur qui était à 30% d'utilisation, la mémoire à 44% d'utilisation, et la carte graphique à 53 degrés. D'où la nécessité d'un bon refroidissement. Enfin bref, la bureautique c'est bien, mais pour challenger un petit peu ce mini PC, j'ai tout simplement installé Fortnite. Ça fait des années que j'y ai pas joué, c'était simplement pour le test, et vous allez voir que j'ai été très choqué de ce qu'on peut en tirer avec un si petit PC comme celui-ci. Il faut savoir que mon écran c'est un 144Hz et du coup que j'ai voulu exploiter ça parce que du coup je suis habitué à un 144Hz. En qualité moyenne on aura du coup quelque chose de très fluide, voilà, donc on n'a pas de bug superflu, peut-être au chargement quand on arrive dans un spawn avec des gens, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste quand même très très fluide et on pourra jouer convenablement en moyen. Mais par contre on n'atteindra pas les 144Hz, on sera plutôt sur du 60-70fps en qualité moyenne. Ensuite j'ai donc testé la qualité épique qui est tout simplement la meilleure qualité qu'on pourrait avoir sur Fortnite. J'avais seulement une dizaine d'FPS, je dirais 15 FPS, et effectivement on ne pourra pas jouer en épique. Après c'est pas le but, sachez que ce mini PC est de base fait pour de la bureautique et vous allez voir durant ce test que de la bonne bureautique quand même, on n'est pas simplement sur du paint. Et en qualité élevée j'ai eu une quarantaine d'FPS, ce qui est convenable, peut-être qu'on pourra pas faire des performances ultimes, mais on a quelque chose qui tourne. Et là où est-ce que j'ai été choqué, c'était avec une qualité basse. Effectivement, au détriment des graphiques en jeu, on va avoir une augmentation des FPS et là, on atteint les 120 Hz sans souci. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte de la fluidité d'un jeu qui tourne simplement à plus de 120 Hz. On a atteint les 120 Hz sans souci, vous pouvez voir à l'écran que c'est vachement fluide et qu'on peut jouer très convenablement avec une fluidité pareille. Et une fois que Fortnite était lancé, je suis donc allé voir un petit peu ce qui se passait dans la machine. J'ai donc ouvert le gestionnaire des tâches pendant que le jeu était lancé en qualité basse. J'ai vu une utilisation de la carte graphique à 89% avec 74 degrés. Aïe, ça commence à chauffer et vous allez voir après que le système de ventilation va donc bien agir pour ça. Des RAM utilisées à 64% et un processeur utilisé à 57%. Évidemment, pour refroidir 74 degrés, il va falloir un bon système de ventilation et c'est ce que nous permet ce mini PC qui est bien optimisé. Comme vous le verrez, on l'ouvrira à la fin. Donc il peut être silencieux avec une utilisation simplement sur le bureau, laissé juste allumé. On sera sur du 20 décibels, mais par contre quand on va lancer des jeux un peu plus gourmands, on pourra monter jusqu'à 35 décibels. Et je vous laisse écouter ce que ça donne. Alors effectivement c'est pas plus dérangeant que ça, mais dans tous les cas même si ça fait un tout petit peu de bruit, sachez qu'il faut ça pour refroidir la machine tout simplement. Ces tests en jeu ont été possibles grâce à la carte graphique Radeon Graphics Seeker. J'ai testé ce mini PC sur un logiciel de montage préinstallé, que j'avais à disposition gratuitement, et effectivement j'étais impressionné de voir à quel point je n'avais pas de soucis de lecture. Généralement, là où est-ce que ça coince et là où est-ce que ça demande beaucoup de puissance sur un logiciel de montage, effectivement, c'est au rendu, mais c'est également avec la prévisualisation. Votre clip vidéo qui n'est pas encore sorti, que votre PC va devoir constituer pour que vous ayez un aperçu de ce que vous êtes en train de monter. J'ai donc testé un petit peu des choses, j'ai importé une vidéo, j'ai mis des petits effets, j'ai mis de la musique et il n'y avait pas de soucis concernant l'utilisation d'un logiciel de montage. Et ça, je trouve que c'est l'utilisation parfaite de ce mini PC que vous devez en faire. Jouer à des jeux, effectivement, c'était pour le tester un petit peu en conditions réelles, on va dire, surtout pour le challenger, mais c'est pas l'utilisation première que vous allez devoir en faire. Ce mini PC est destiné à la bureautique, donc effectivement, jouer à des jeux en ultra, ça c'est non, mais par contre, faire des montages, on pourra tout simplement. Je n'ai pas eu de bug concernant l'utilisation d'un logiciel de montage, et ça fait plaisir. Et on peut donc voir que j'ai ouvert la machine. Et oui, j'ai pris le risque d'ouvrir la machine, mais rassurez-vous, tout était bien rangé et bien pensé pour qu'on puisse ouvrir et accéder à tout sans trop de soucis. On a donc vu la RAM, également le disque dur, le SSD. Et on peut voir que c'est très petit comparé à des grosses configs. Effectivement, ça fait quand même bizarre de voir tout ça bien optimisé avec tous les ports. Mais c'est pour vous montrer qu'à l'intérieur, ça se porte très bien. Et effectivement, le design, je le trouve vraiment sympa. On a quelque chose du coup qui est axé un petit peu sur les sorties d'air aussi également. Parce que oui, être beau, c'est cool. Mais pouvoir refroidir quand on utilise des choses qui commencent à demander en puissance, c'est beaucoup mieux. Donc j'adore le design. Et hors réduction, ce mini PC coûte 400€. Tous les liens seront en description si vous voulez jeter un œil. Mais je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, mais aussi un bon rapport taille-puissance.
on a quelque chose de très puissant, on pourra jouer à des jeux, donc effectivement, pas en ultra, mais on pourra y jouer. Et ça, c'est le plus important, mais également, surtout le plus important pour quelqu'un comme moi, qui a des vidéos à faire, des montages à faire, on pourra utiliser un logiciel de montage sans souci et faire tourner des vidéos en 4K sans souci également. J'espère que vous avez aimé le test du mini PC Serre 5 de chez Beelink, avec le Ryzen 5 5560U. À l'intérieur, c'est vrai qu'il y a des versions différentes, aujourd'hui c'était celle-ci et c'est complètement validé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX, prenez soin de vous, à la prochaine.